dis donc. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Toi et moi. Parce que ta tête me dit quelque chose. Un peu comme. Comme si on avait déjà fait ça des nuits. Merci beaucoup. Oh, qui voilà ! Bon, alors, comme je te disais, dis donc, on se connaît pas, toi et moi. Parce que ta tête me dit quelque chose, un peu comme... Comme si on avait déjà fait ça des milliers de fois par le passé, genre coincé dans un cercle vicieux dont on se libérera jamais. Enfin bref, moi c'est Urk et je suis bien content de voir ta gueule. Je cherche un pilote. Un pilote capable d'une violence débridée. Un peu comme moi, mais en plus jeune. Bon, tu connais toute ma légende, bien entendu. Mes aventures de hors-la-loi, en sport de chambre et au-delà. Sache que toutes ces histoires sont vraies, et notamment la fois où j'ai libéré tout un pays avec une bande de singes à qui j'avais appris l'art subtil du combat au couteau. Mais j'ai fait une croix sur cette vie de gloire et de fortune, et sur tous ces pièges, et j'ai posé mes valises. Je me suis lancé dans les affaires. Avec mon cousin, on fait de la gnôle. Et puis je suis tombé amoureux de la femme de mes rêves et on a eu un gamin. C'était la belle vie, franchement. Une petite vie bien pépère. Et puis les ravageurs ont débarqué, et ils m'ont tout piqué. Ils ont pris ma bagnole, ils ont pris ma femme, ils ont même voulu prendre mon bébé! Franchement, ça va trop loin. Alors, je vais aller leur genouiller le trou du cul. Je vais aller tout leur prendre, en commençant par ma caisse. Je veux que tu sois mon bras droit. Mon acolyte intrépide, qui n'hésitera pas à risquer sa vie pendant que je fais péter tous les connards qui essaieront de m'arrêter, comme si j'étais une mitraillette humaine. J'ai même pas ce que je raconte, putain, je m'enflamme tout seul, moi. Une mitraillette humaine, franchement, moi je dis banco, hein, ce serait l'arme idéale. Comme une mitraillette avec des sentiments. Tu veux bien m'accompagner sur la voie de la vengeance? Si oui, le dieu des singes et moi, on te récompensera avec le plus beau des butins, de la bonne gnôle. Des vieilles cassettes porno, et puis des armes sympas. Prenez soin de vous. Je te remercie vraiment du coup de main. Ah, tu peux me faire confiance, tu vas adorer ma bagnole. C'est un putain de monstre, mieux que dans Fast and Furious. C'est comme une... Attends. Laisse-moi d'abord désamorcer le piège avant de monter. Non, pas comme ça. Ah oui, voilà. Attends, là c'est quoi?
quoi, ce machin? Ah non, non, oublie, j'ai trouvé. C'est bon. Nickel, tu te sens d'attaque pour aller assez vite pour que tes poils de cul te chatouillent le trou de balle? Oh merde, ce truc-là, là, c'est mon piège. Alors tu vas rire, en fait, je l'ai pas désamorcé. Non mais bon, c'est pas grave, hein, tant qu'on s'arrête pas plus de 2 secondes, on devrait s'en tirer. Prends tes plugs pour péter la barrière. Continuons ma peinture. Les ravageurs, quel cadre, qu'à continuer à suivre les rails. La bagnole et tous mes beaux souvenirs. Elle est trop lente. On va juste sauter en marche, courir comme des cons et la regarder exploser. Bouge pas, fils de pute! Comment qu'on les a niqués, ils ont rien compris. Wouh ! Oh merde ! Je sais bien qu'on allait qu'à 10 à l'heure, mais j'ai le cœur qui bat la chamade et une petite gaule aussi. Oh,
C'était intense. Oh, c'était un concert d'explosions et de coups de feu et de bisons. Et on pouvait pas s'arrêter sous peine de crever. C'était un peu comme dans Speed, mais tout au ralenti, putain. Merde, putain. Eh, tu sais, j'allais te filer la caisse en récompense. Mais t'en fais pas, je vais t'en faire une toute neuve, promis. Et celle-là, elle ira plus vite, ok? Tu sais, je me disais qu'on était une super bonne équipe, toi et moi. Et je vois bien que t'es du même avis. Alors si ça te dit, bah on pourrait continuer sur la voie de la vengeance. Et puis éclater encore plus de tronches, je sais pas. Enfin, t'as qu'à m'appeler à l'occasion, généralement je suis dispo. Pire que celle qu'on a fait subir à la pute qui t'a donné son gosse. Tu peux me faire confiance.